C'est maintenant le moment de l'homélie du pape François. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et il poursuit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu. Varié, le même. Saint Paul insiste à mettre ensemble deux paroles qui semblent s'opposer. Il veut nous dire que l'Esprit Saint est ce même qui met ensemble des choses variées, et que l'Église est née ainsi, nous, divers, unis par le même Esprit Saint. Allons donc au début de l'Église, au jour de la Pentecôte. Regardons les apôtres. Parmi eux, il y a des gens simples, habitués à vivre du travail de leurs mains, comme les pêcheurs. Il y a Matthieu qui avait été un percepteur d'impôts érudit. Il y a diverses provenances, divers contextes sociaux, des noms juifs, des noms grecs, des caractères doux, d'autres fougueux. Des façons de voir, des sensibilités différentes. Jésus ne les avait pas changés, il ne les avait pas uniformisés en en faisant des maquettes en série, non. Il avait laissé leur diversité et maintenant il les unit en les oignant du Saint-Esprit. L'union, l'union, l'union qui sont diverses, arrive grâce à l'onction. À la Pentecôte, les apôtres comprennent la force unificatrice de l'esprit. Ils la voient de leurs yeux quand tous, bien que parlant diverses langues, forment un seul peuple. Le peuple de Dieu, façonné par l'Esprit, qui tisse l'unité avec nos diversités, qui donne harmonie, parce qu'il est harmonie, parce que l'Esprit est harmonie. Venons-en à nous, Église d'aujourd'hui. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui nous unit sur quoi se fonde notre unité? Parmi nous aussi, il y a des diversités d'opinions, par exemple, de choix, de sensibilité. La tentation est toujours celle de vouloir défendre à tout prix nos idées en les croyant bonnes pour tous et en étant d'accord seulement avec celui qui pense comme nous. Et ça, c'est une mauvaise tentation. Mais c'est une foi à notre image, non pas ce que veut l'esprit. On pourrait alors penser que nous sommes unis par les mêmes choses que nous croyons et les mêmes comportements que nous pratiquons. Mais il y a bien plus. Notre principe d'unité est le Saint-Esprit. Il nous rappelle que nous sommes avant tout enfants aimés de Dieu, tous égaux devant cela, et tous diverses. L'Esprit vient à nous avec toutes nos diversités et nos misères pour nous dire que nous avons un seul Seigneur, Jésus et un seul Père, et que pour, et que pour cela nous sommes belles, belles. frères et sœurs. Repartons à partir d'ici. Regardons l'Église comme fait l'Esprit, non pas comme fait le monde. Le monde nous voit de droite, de gauche, avec toutes ses idéologies, ses autres idéologies. L'Esprit nous voit à partir du Père et de Jésus. Le monde voit des conservateurs, des progressistes, l'esprit voit des enfants de Dieu. Le regard mondain voit des structures à rendre plus efficaces. Le regard spirituel voit des frères et sœurs mendiants de miséricorde. L'esprit nous aime et connaît la place de chacun. Dans l'ensemble, pour lui, nous ne sommes pas des confettis emportés par le vent, mais des pièces irremplaçables de sa mosaïque. Retournons au jour de la Pentecôte et découvrons la première œuvre de l'Église, l'annonce. Pourtant, nous voyons que les apôtres ne préparent pas une stratégie. Quand ils étaient enfermés là, dans le Sénat, ils ne faisaient pas une stratégie. Non, ils ne préparaient rien. Ils n'ont pas un plan pastoral. Ils auraient pu subdiviser les gens en groupes selon les divers peuples, parler premièrement aux plus proches et ensuite aux plus lointains. Ils auraient aussi pu attendre un peu avant d'annoncer. Et en attendant, approfondir les enseignements de Jésus afin d'éviter les risques. Non. L'esprit ne veut pas que le souvenir du maître soit cultivé dans des groupes fermés, dans des cénacles où on prend goût à faire son nid. Ça, c'est une mauvaise maladie et qui peut arriver dans l'Église. L'Église, pas comme communauté, pas comme famille, comme madré, mais comme un nid. Il ouvre, relance, pousse au-delà du déjà dit et du déjà fait. Au-delà des barrières, d'une foi timide et prudente. Dans le monde, sans une organisation solide et une stratégie calculée, on va à la dérive. Dans l'Église, par contre, l'Esprit garantit l'unité à celui qui annonce. Et les apôtres y vont non préparés. Ils se mettent en jeu, ils sortent. Un seul désir les anime, donner ce qu'ils ont reçu. C'est beau, la, la lettre de Jean. Ce que nous avons reçu, vu, nous le donnons à vous. Nous parvenons finalement à comprendre quel est le secret de l'unité, le secret de l'esprit. Le secret de l'unité dans l'église, le secret de l'esprit, c'est le don. Parce qu'il est don. Il vit en se donnant. Et de cette façon, il nous maintient ensemble, en nous faisant participants du même don. Il est important de croire que Dieu est don, qu'il ne se comporte pas en prenant, mais en donnant. Pourquoi est-ce important Parce que de la manière dont nous entendons Dieu, dépend notre façon d'être croyant. Si nous avons à l'esprit un Dieu qui prend et qui s'impose, nous voudrons nous aussi prendre et nous imposer, occuper des espaces, réclamer de la considération, rechercher du pouvoir. Mais si nous avons dans le cœur Dieu qui est don, tout change. Si nous nous rendons compte que ce que nous sommes est son don, don gratuit et immérité, alors nous aussi, nous voudrons faire de la vie un don. Et en aimant humblement, en servant gratuitement et avec joie, nous offrirons au monde la vraie image de Dieu. L'Esprit, mémoire vivante de l'Église, nous rappelle que nous sommes nés d'un don et que nous grandissons en nous donnant, non pas en nous conservant, mais en nous donnant. Chers frères et sœurs, regardons-nous du dedans et demandons-nous qu'est-ce qui nous empêche de nous donner. Il existe trois ennemis du don, tapis toujours à la porte de notre cœur. Le narcissisme, le fait de se poser en victime et le pessimisme. Le narcissisme fait s'idolâtrer soi-même. Il fait se complaire seulement de ses propres intérêts. Le narcissique pense la vie est belle. Si j'y gagne. Et ainsi il arrivait même à dire, pourquoi devrais-je me donner aux autres? Dans cette pandémie, combien fait mal le narcissisme? Le fait de se replier sur ses besoins, indifférent à ceux d'autrui, le fait de ne pas admettre ses propres fragilités et ses propres erreurs. Mais aussi le second. Ennemi, le fait de se poser en victime est dangereux. Celui qui se prend pour une victime se plaint tous les jours de son prochain. Personne ne me comprend, personne ne m'aide, personne ne m'aime, tous sont contre moi. Un combien de fois nous entendons cela? Et son cœur se ferme pendant qu'il se demande pourquoi les autres ne se donnent-ils pas à moi dans le drame que nous vivons comme il est mauvais de se poser en victime. Pensez que personne ne nous comprend et ne ressent que ce que nous ressentons. Ça, c'est le victimisme. Enfin, il y a le pessimisme. Ici, la litanie quotidienne est rien ne va, la société, la politique, l'église. Le pessimiste s'en prend au monde, mais il reste inerte et pense de toute façon, à quoi sert-il de donner C'est inutile. Actuellement, dans le grand effort de recommencer, combien le pessimisme est nocif, le fait de voir tout en noir, le fait de répéter que rien ne sera plus comme avant, en pensant ainsi, ce qui sûrement ne revient pas, c'est l'espérance. Dans ces trois... L'idolatrice, le narcissisme, le, dio le, so, le Dieu et son miroir, le Dieu qui se lamente, je suis et celui oscuro. qui est négatif, si tout est négatif. Nous nous trouvons en manque d'espérance et nous avons besoin d'apprécier le don de la vie. Le don est chacun de nous. Pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint, don de Dieu, qui nous guérit du narcissisme, de ce fait de se poser en victime et du pessimisme. Il nous guérit du de miroir, des lamentations et de l'obscurité. Prions-le, chers, chers frères et, et sœurs. Esprit Saint, mémoire de Dieu, ravive en nous, de nous de le de souvenir du don reçu. Libère-nous de la paralysie, de l'égoïsme et allume -nous en nous le désir de servir, de faire le bien. Parce que le pire de cette crise, c'est seulement le drame de la gâcher. En nous refermant sur nous-mêmes. Viens, Esprit Saint. Toi qui es harmonie, fais de nous des bâtisseurs d'unité. Toi qui te donnes toujours, donne-nous le courage de sortir de nous-mêmes, de nous aimer, de nous aider pour devenir une unique famille. Amen.